Bonjour à vous tous, hors série, quoique, oui c'est un hors série, ça fait combien de temps qu'on me demande, Michel, essaie de m'expliquer ça, et la pierre angulaire, et comment je comprends pas, etc, etc, peut-être que parfois on fait trop compliqué, parfois on fait trop simple, et parfois je crois qu'on me comprend, et finalement on me comprend pas tellement, voilà. Allons-y gaiement. En avant. La réalité. Mal à la tête. L'univers. Combien de modèles de l'univers avons-nous? Des modèles de beaucoup de spiritualité, des modèles scientifiques, cosmologiques, même métaphysiques. L'univers est né d'une tête d'épingle. Quelque chose d'une densité extraordinaire. Il est né d'une tête d'épingle, puis, à son paroxysme de densité, ben, il a explosé. Il a explosé, il a expansé, développé sa matière, son énergie, sa chaleur, molécules, particules, le temps lui-même. Merde. Le temps lui-même a pris sa forme. Certains peuvent, évidemment, vont vous le développer de façon très scientifique, très cartésienne, très, avec vision. Mais en fait, on n'en sait rien. Ce ne sont que des théories. Et évidemment, les théories, indémontrables. On parle de l'incommensurable, quand même. Mais c'est intéressant, on parle en nanosecondes, etc., la création après le Big Bang, etc., tant de matière, l'eau, particules, nuages gazeux, puis naissance des galaxies, etc., expansion de l'univers dans l'élan de l'explosion initiale. Et tout ça, on nous vend comme ça, c'est la science, hein. Oh. C'est la cosmologie, c'est la physique, c'est l'astrophysique, c'est même la physique élémentaire, puisque on parle de d'hélium, d'hydrogène, de nuages gazeux, de soleil, de fusion nucléaire, de rayonnement cosmique, hein, de particules subtiles qui existent, mais pas tout à fait. Elles existent, mais sur un autre plan. En fait, elles n'ont peut-être pas de densité. Waouh ! Évidemment, on peut décrocher la réalité, certains s'amusent avec leur masturbation intellectuelle à pousser le raisonnement jusqu'au paroxysme, et à la fin, finalement, je pense que personne ne sait rien. Mais c'est intéressant, ça fait naître, jaillir des idées, des concepts, et ne croyez pas que ces gens-là savent tout, et ils ont des inspirations comme nous tous, ils ont des connexions subtiles qui viennent d'on ne sait où. Mais il est clair que, de toute façon, tout ce que l'on explique n'est que théorie. Moi, combien de fois j'ai vu, en modélisation, en animation, je l'ai déjà dit, la galaxie elle-même, la Voie lactée. Waouh, c'est un gros morceau quand même, hein. C'est une bonne taille, hein. Vous voyez une sorte de spirale qui s'enroule autour d'eux. Ah oui, depuis quelques années, on nous dit un trou noir supermassif. Waouh, merde! Un trou noir. Le truc, là, qui aspire tout? L'aspirateur, qui aspire dans une sorte de singularité avec une gravité telle que même la lumière n'en ressort pas. Un trou noir, ça tourne autour comme une sorte de vortex, vous voyez, ça aspire tout, tout rentre à l'intérieur et donc il reste rien. Non, c'est pas vrai, non. La galaxie reste telle qu'elle, certes, elle s'articule autour de ce trou noir, mais pourquoi elle s'éparpille pas? Pourquoi elle n'est pas aspirée? Il y a d'autres forces en œuvre. Ah, lesquelles? L'énergie noire, la matière noire. Ça contient le tout. Tiens, le tout. C'est un fait. C'est une théorie. En fait, on n'en sait rien. Waouh. Des gens soi-disant intelligents
détenant le savoir suprême, qui pointe du doigt. Toi, Michel, tu ne sais rien, tu n'es qu'un pauvre con. Finalement, vous appuyez toutes vos sciences sur de, tu vois, des croyances. Certes, ça évoluera avec le temps. Peut-être dans un million d'années, on découvrira que ça n'a rien à voir avec tout ça. Des concepts. Il faut bien commencer par quelque chose. C'est bien. Mais il faut bien rester dans le, l'optique que, en fait, tout n'est pas vraiment modélisé. Combien de fois, vous l'ai dit, j'ai vu, vous regardez, vous pouvez regarder sur Internet, vous cherchez la Voie lactée, la galaxie, vous allez voir des photos. Des photos de la Voie lactée. De loin, hein, on la voit de loin. Vous imaginez pas d'où la photo a été prise. Ça fait loin, quand même, hein. Ben, il faut faire un sacré voyage, quand même, hein. Alors, j'ai fait 100 000 années-lumière, hein, je suis parti, j'ai pris mon appareil numérique, peut-être mon dernier iPhone, je sais pas. Je l'ai mitraillé, puis je suis revenu, et regardez, j'ai pris la photo de la Voie lactée. Non, non. C'est une modélisation, c'est complètement hypothétique. Une vision par rapport à quel postulat? Par rapport à quoi, en fait? Non, mais c'est vrai, quoi. On a une sorte d'appareil qui est capable d'aller aussi loin et de prendre en photo? Non, c'est... Tout n'est que baratin. Tout, tout, tout. Alors, c'est bien, hein, certains, par calcul, vont dire, mais non, c'est comme ça que ça marche. Ok, ok. Jusqu'au jour, ils trouveront une variable, quelque chose de modification, une réalité alternée, une dimension invisible. Le temps, oh, le temps, la gymnastique du cerveau, là, là, il y a tout qui lâche. Pourquoi? Parce que, selon la relativité générale, selon les théories, ben, le temps ne s'écoule pas de la même façon d'un endroit ou de l'autre de l'univers. Vitesse, masse. Oh, putain, on en perd en sur la tête. Je dis, ah, bon, ah oui, mais on en a fait la démonstration. Avec deux horloges atomiques, etc. Une était dans un avion, l'autre était sur Terre, etc. On a vu qu'il y avait, je sais plus, nanoseconde. Il y avait un écart. Donc, le temps lui-même est une dimension. On peut s'y déplacer? Ben, évidemment, croyez-moi, beaucoup se sont penchés sur la question. Se déplacer dans le temps. Comme une dimension, hein? Avant, après, ou comment, est-elle visible? Non, elle n'est pas perceptible. Et pourtant, on est dedans, on vit. On l'aperçoit mentalement. Ah. Après, il y a la perception du temps, mais c'est encore autre chose. La perception vue de mon mental. Lorsque je suis à moitié endormi toute la journée en train de bosser, de faire des conneries qui me font chier, je fais des choses, ben ça passe lentement. Lorsque je m'amuse, waouh, j'ai pas de temps, ça file vite là. La perception du temps mental, état de présence, la présence à ce que je fais, ou pas, la passion, tout s'écoule plus vite, ou plus lentement, si je souffre le calvaire, que j'attends patiemment un rendez-vous, etc., etc. La conscience, l'état de présence, l'univers, le temps, le Big Bang, les dimensions fantastiques. Ça fait 13 milliards 700 millions d'années de longueur. On vous explique le cône temporel de la matière depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Waouh, super. Et en fait, on nous dit donc que l'univers aurait 13 milliards 700 millions d'années. Ah ouais, mais oui, la lumière, en fait, elle fait presque 300 000 km secondes, donc on fait que le calcul avec le point lumineux le plus lointain, on se dit, bon, bah, a priori, d'après nos calculs, ça fait 13 milliards 7. Ça n'a pas arrêté de changer au cours du XXe siècle. Au début, c'était 15 milliards. Oh là, maintenant, ils ont un petit peu ajusté leurs chiffres. Ça a peut-être encore un peu changé, je sais pas. Hein. La perception de l'homme et de son gigantisme. Je sais pas, je suis un petit peu flou, je suis désolé. Bref, on continue. Pourquoi je vous fais ce petit laïus, là, comme ça? Oh, c'est très banalisé, un peu vulgarisé, un petit peu décalé. Et puis, non scientifique, hein, juste comme ça. Je vous le jette en vrac, pour vous montrer qu'en fait, tout ce qu'on nous dit être réel, ben on n'en sait rien, quoi. Peut-être que, depuis toujours, les gens regardent les étoiles, ils se posent des questions. Waouh, c'est quoi? Au début, ils se demandaient ce que c'était. Hein? Galaxie, planète lointaine.
des galaxies très lointaines, peut-être même des astres qui sont déjà morts depuis longtemps, puisque la lumière est si lente pour nous parvenir. 300 000 km secondes, trop long. Ah ben, t'as vu la taille un peu du truc? Donc, comment on fait? Pourquoi j'en arrive là? C'est quoi notre réalité du quotidien? C'est quoi? Ah ben, je travaille. Je m'emmerde. Je fais un boulot qui me plaît pas, dans, soi-disant, 75% des gens. Chacun a fini par se faire happer par un boulot à la con pour pouvoir survivre, bouffer. Certains ont cru avoir une passion, et finalement, ils l'ont faite, et puis finalement, se rendent compte que finalement, c'est pas du tout ce qu'ils avaient cru. Et ils se font chier, mais ils y restent un petit peu, parce qu'ils ont investi pas mal d'années de leur vie à développer ces aptitudes pour ce job. De merde. Et au final, s'aperçoivent que tout le système, ou est un système hiérarchique, ou etc., etc. Ah là là, c'est compliqué tout ça, hein, la vie, le quotidien, l'espace, l'univers, après tout l'univers, le gigantesque, que j'en ai à foutre, je vis le quotidien, au jour le jour. Et voilà que débarque Michel, moi, ah, c'est moi, qui dit, attention, la réalité est basée sur des normes très complexes, la conscience de l'interaction entre ce que je regarde, bon, c'est pas moi qui le dis, attention, mais surtout, moi, je rajoute un petit élément, attention, il y a comme une clé de voûte, tout ça, la clé de voûte de l'univers qui maintient la réalité cohérente. Boah, qu'est-ce que c'est ? La réalité ou les réalités ? Car, au final, je n'ai que la réalité que je perçois. C'est moi qui l'aperçois, ma réalité, selon mes croyances, ce que je perçois, mes propres visions, ce que je crois avoir, ou pas voir, ou comprendre, ou j'en sais rien, même de mon quotidien. Hein. Alors, il y en a combien de réalités, en fait ? J'interagis avec tout ce qui est. J'ai pas besoin de le toucher avec mes doigts. Parce qu'en fait, même là, lorsque je touche un objet, je le touche avec mes sens. C'est mon doigt qui a des capteurs et des nerfs et qui m'envoie jusqu'au cerveau qui traduit. C'est chaud, c'est froid, c'est lisse, c'est rugueux, il y a des aspérités. Ça a l'air lourd, ça a l'air dense, ça a l'air épais, ça a l'air quoi? Après, avec les yeux, je peux voir. Peut-être que je peux goûter aussi, non, ça n'a pas de goût. C'est autre chose. La perception de la réalité n'est en fait qu'une perception de mes sens. Réel, pas réel, interprétation, à savoir. L'univers uni. Oh, tout est uni, tout est un bloc, tout est une seule chose, une seule masse. Vrai, pas vrai, oui, oui. Une forme de collaboration, tout interagit, tout est interconnecté. Universel. Unique. Et pourtant, tout est séparé. Séparé et connecté. Tout est un et séparé. Avec l'expérience de l'individualité, moi, je fais l'expérience de moi. Hein? Je fais l'expérience de moi, de je suis moi. Et tu es qui, toi? La question métaphysique est trop complexe pour la développer ici. Parce qu'en fait, au final, quand on me pose la question, c'est quoi mes origines? La connais-tu? Et avant, est-ce que j'existais pas? Suis-je né du néant? À un moment donné? Et l'univers avant l'univers? Et c'est là que se posent encore des questions plus complexes. L'univers. Certains disent, et dans les écritures aussi, on parle de quelque chose qui se rapproche, ce sont des mots, hein, évidemment, un royaume. Ah, un royaume, l'univers serait un royaume. Ah, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'émergent après des termes un peu différents. Multivers. Ah, multivers, multiple. Donc des univers multiples. C'est le même univers? Ou ça en est plusieurs? C'est le même. Oh putain, mais comment ça marche? Réalité, création, illusion, matière qui s'agence ou pas? Est-ce que c'est moi qui le perçois? C'est une illusion, une chimère, une illusion totale? Ou vraiment réel? Dans le temps, dans l'espace, le passé, le futur, et tout ça cohabite en simultané. Mais pourtant, il faut connaître la porte d'entrée pour aller dans le passé, dans le futur, dans le présent,
Suis-je dans le présent maintenant? Non, 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 non. Oui, non. Je suis jamais dans le présent. Le présent, il est fuyant. Il passe tout le temps, le présent. Je dis maintenant, 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 mais toujours le présent passe. C'est continuant, fluctuant. Il se crée sans cesse. Une vue de l'esprit se crée de nanoseconde en nanoseconde, une réalité pour moi, là, maintenant. Et si je faisais quelque chose d'imprévu, que j'ai pas prévu dans mon scénario, dans mon mental, est-ce que ça existerait? Si j'ouvre une porte qui n'est pas prévue dans le scénario de ma vie, j'ouvre et tant il y a rien, il y a le néant derrière. Peut-être que ça n'a pas été créé à ce moment-là, parce que c'était pas prévu. C'est quoi ce délire? C'est là que je veux en venir. C'est là que je veux en venir. Il fut un temps, c'est une histoire, vous le prenez comme ça. Il y avait 12 royaumes, il y en a eu d'autres, hein. Il y en a d'autres, une multitude. Je ne sais pas, une infinité peut-être? Non. Un certain nombre qui englobe et qui crée autre chose de plus grand encore. L'infiniment grand et l'infiniment petit, en fait, c'est une vue de l'esprit. Le grand et le petit se relient. C'est une boucle, peut-être. Peut-être une grande boucle, petite boucle, peut-être plus compliquée que ce qu'on est capable de conceptualiser, de modéliser. Je vais essayer d'être un petit peu de netteté. Ah, peut-être que c'est mieux, non? Ouais, un petit peu. Le grand et le petit... L'un formant le plus grand, le petit formant le plus grand. Et pourtant, à un moment donné, le grand pourrait faire petit, partie du petit. Vous savez, j'accroche, je fourche. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique. Donc, fut un temps, il y avait... On va se limiter, parce qu'autrement... Il y a eu 12 royaumes. C'est une histoire, une belle histoire, hein, qui se finit mal, malheureusement. Au départ, les 12 royaumes n'étaient pas 12 royaumes, c'était des royaumes séparés. Des univers. Des uns. Des uns. Des royaumes. Ah, ça passe mieux. Ça va dire des uns, ça fait bizarre, ça. On connecte des uns, ça fait des 12, alors ça fait 12. Essayez de suivre un petit peu, parce que parfois, dans mes façons de m'exprimer, je mets des petites choses qui vous permettent peut-être de déclencher des, pas des rêveries, mais des raisonnements. Alors, au départ, c'était 12 royaumes, pas connectés du tout, et chacun évolue à sa façon, complètement différemment. Certains ont des structures différentes, une évolution différente, et d'autres ont une évolution plus rapide. Parfois, ben ça retombe, cataclysme, problème massif. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Un royaume, c'est quoi? C'est quoi? Moi, la plus proche définition que j'ai pu approcher et qu'on a pu me transmettre, c'est une entité. Entité, c'est un mot qui veut tout dire et n'importe quoi. Une entité, ça peut être non vivant, hein. Une entreprise, une société, c'est une entité. Mais là, c'est une entité consciente. Une sorte de supraconscience, un truc qui est la somme de tout. Ah merde, j'ai rencontré Dieu. C'est Dieu, un univers, un royaume, c'est un Dieu. Est-ce qu'on peut parler de Dieu? Oui, non, une entité. Ah, c'est pas Dieu, non. Il y a plus encore. Il y a plus. Oh, on va s'arrêter là alors, hein, parce que là, je sais plus. Chaque royaume est séparé, isolé. Pas connecté. Comment ça fonctionne? Pourtant, c'est connecté. En fait, c'est pas connecté, c'est emboîté, c'est imbriqué. Mais ça se touche pas vraiment. C'est tout, ça se, il y a comme un joint entre les royaumes. Un joint comme un caoutchouc? C'est quoi? C'est du plastique? C'est super glue? C'est quoi? Une interface.
dimension particulière. De la matière, non. De l'énergie, peut-être. Quelque chose qui permet l'isolation. Ça isole. Chaque royaume est isolé. Putain, je comprends rien. C'est isolé et connecté. Oui. D'une certaine façon, de façon subtile, tout est interconnecté. Et tout est imbriqué. Ça fonctionne à un autre niveau qui nous échappe. Mais, chaque royaume est indépendant, comme une individualité. Un individu. Ils sont donc séparés, mais connectés par quelque chose. Une sorte de d'interface, une dimension étrange, une sorte d'alvéole autour qui est impénétrable. On ne peut pas la traverser parce que si on la traverse, on serait irrémédiablement détruit et la matière originelle renvoyée à son expéditeur. Si ça avait été assemblé d'une certaine façon très complexe même, conscience, matière, énergie, c'est rejeté, c'est renvoyé au royaume d'origine. Pouh, craché comme une pilule, une valda qui est pas bonne. Merde, on peut pas passer d'un royaume à l'autre. Donc, pourquoi, comment? C'est un moyen de protection. On ne peut pas contaminer un royaume. Un royaume ne peut pas en contaminer un autre. Mais si, 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 il y a des gens qui ont quitté cet univers, ils sont allés dans un autre univers. Ça a été vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas si simple. Et il faut savoir de quoi on parle. Je vous l'ai dit, on a parlé tout à l'heure de multivers, de concept, de champ de tous les possibles, de perception, de temporalité. Donc en fait, l'univers n'est pas un, il est multiple. Mais il est un, puisque c'est qu'un seul. C'est la même chose avec d'autres variantes. Ce sont des choix. Théorie, réalité, comment conceptualiser quelque chose qui existe ou qui n'existe pas, mais qui pourrait exister. C'est le champ de tous les possibles qui pourrait exister, qui peut s'activer à tout moment, ce choix-là, une ligne temporelle ou pas. Et parfois, plusieurs lignes temporelles cohabitent pendant un certain temps. Puis une disparaît au profit d'une autre. Mais quoi qu'il en soit, la conscience continue son chemin. La conscience ou la somme de toutes les consciences que nous sommes. J'espère que vous me suivez. Je vais doucement parce que c'est compliqué. Je simplifie au maximum. Alors, chaque royaume est séparé et ne peut absolument pas, sauf cas particulier, très spécifique, très pointu, il ne peut pas passer dans un autre royaume. Il ne peut pas. Pour ne pas infecter l'autre royaume. C'est une protection, une interface, une dimension entre deux qui, si tu passes, si tu en as la possibilité, tu seras recraché et désassemblé, d'une certaine façon détruit. Et là, sur ce, notre royaume n'existe pas, pas en tant qu'entité. Notre royaume n'existe pas encore. C'est dur de dire le encore. Ça voudrait dire qu'il existera un jour. En fait, on n'en sait rien. Le temps n'existe pas encore là. C'est dur, hein. Donc ailleurs, il y a un des 12 royaumes qui est un peu plus avancé que les autres. Par rapport, hein, je vais le dire comme ça, à d'autres univers, d'autres royaumes tangentiels à lui-même. Qui se touche sans se toucher, avec cette fameuse membrane isolante et impénétrable. Enfin, c'est pas qu'elle est impénétrable, hein. Certains peuvent y passer, hein. Alors, leur risque et péril. Stérilisation par le vide. On dégage. Bref. Pourtant, il se passe quelque chose, un jour. Un être étrange. Qui est construit, bâti, structuré, avec la même énergie que cette membrane, que cet isolant, que cette énergie qui est si dévastatrice. Il est construit avec ça, mais il a une particularité, il est conscient, c'est une entité à part entière, et son objectif est de temps à autre
de permettre des jonctions, d'établir des connexions, des ponts. Mais pourquoi faire? C'est déjà assez grand comme ça, là, l'univers. Conceptualiser la réalité, etc. Il existe donc certaines entités qui ont la capacité d'établir des connexions entre les royaumes, temporaires, définitives ou soumises à certaines règles très complexes. Alors, j'y vais doucement, mais chaque royaume, pour exister, a beaucoup de choses, en fait. A besoin d'une certaine structure, d'un état de conscience hiérarchique, jusqu'à la réalité ou à la densité. Et il y a ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça une sorte de maître des réalités. Il y a des êtres qui régissent des centaines de royaumes, des êtres incroyables. D'autres, à un autre niveau, qui vont être la graine, la pierre angulaire, la clé de voûte des réalités ou de la réalité observable sur le moment. Il faut impérativement une clé de voûte pour que les réalités physique, énergétique et matière s'organisent de façon cohérente. C'est la seule façon qui a été trouvée pour que ça puisse fonctionner. C'est la seule façon qui a été trouvée pour que ça puisse évoluer. Donc, sur divers plans, il faut une sorte de clé de voûte qui organise la matière, la pensée, qui organise l'énergie, la réalité ou les réalités, les temporalités, et qui sera le premier et le plus important vestige qui permettra de construire la voûte céleste, la voûte des réalités. Sans cette clé, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il est intéressant de voir que cette clé est en train de... J'y reviendrai peut-être un jour, parce que j'ai entendu, je vais vous embrouiller. En fait, la clé n'est pas unique, en fait. Elle est multiple. Elle est triple, en fait. Mais, on va rester simple, parce que autrement, je vais encore vous embrouiller. Donc, chaque royaume a une clé. Et cette clé, pour qu'elle puisse exister, a un ancrage dans, j'allais dire, le monde de l'information, le monde du code, le monde de l'énergie. Et elle doit y avoir impérativement, elle doit être incarné dans la matière. C'est l'ancrage. Bon, la réalité matérielle. Donc, si elle vit sur telle planète, elle prendra l'apparence d'un autochtone. Mais si elle devait partir, elle pourrait prendre une autre apparence. Car, en fait, elle n'est qu'énergie et information. Elle peut prendre l'apparence du monde qu'elle habite. Elle s'adapte. La pierre angulaire a tendance à être d'une énergie féminine, elle est créatrice. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez magique, la création, mais c'est vrai que c'est à tendance à être féminine. L'énergie masculine est complémentaire à d'autres égards. Et j'y viens. C'est pas aussi clair que on pourrait le croire, nous, dans le quotidien, l'homme et la femme. C'est pas aussi clair que ça, hein. La féminité, c'est autre chose. On parle du féminin, pas de la féminité. Bref, donc, les 12 royaumes, il y a eu donc une entité un jour qui a réussi à passer dans ce royaume un peu plus évolué que l'autre. En fait, peut-être pourrait-on dire que certaines civilisations qui atteignent un certain niveau et qui ont un souhait très particulier, peut-être de s'étendre, d'évoluer, de comprendre, etc. C'est comme un appel. Et du coup, ce que l'on nomme, ce que je nomme le voyageur, parce qu'il ne fait que ça, c'est en fait un Canthérax, c'est un être très particulier, qui est une entité cosmique, céleste, extraordinaire,
qui va déterminer si oui ou non elle établit la jonction ou non entre deux royaumes et s'ils sont compatibles, s'il y a possibilité d'une évolution commune qui serait, j'allais dire, fructuante, intéressante, valorisante pour les deux. Bref, je vous passe le détail. Au cours de milliards de siècles, même si le temps est une façon de compter erronée à ce niveau, vraiment, il y a la jonction, en fait, qui se fait dans toutes les connexions, dans tous les sens, de 12 royaumes tangentiels. Dans tous les sens. Tous les royaumes peuvent communiquer grâce à une sorte de passage qui les change d'un point A, les transforme au point B, et ils sont dans le royaume B, C, D, E, F. Et donc, ils changent royaume, mais ils doivent se déshabiller complètement et être restructurés de l'autre côté. Il n'y a pas d'altération, il y a juste transformation. Est-ce qu'on pourrait dire même que lorsque je passe d'un royaume A à un royaume B et que je reviens dans le royaume A, est-ce que je suis absolument identique à la première version de moi-même? Pas si sûr. J'espère que vous me suivez. Donc on a 12 royaumes. Et il se passe quelque chose d'inédit. Ouais. Pas connu. Le royaume initial, qui était le plus évolué de tous, avait une clé céleste, moi j'appelle ça donc la pierre angulaire, qui était spéciale, détentrice de pouvoirs stellaires incroyables, d'une évolution, et paradoxalement dotée d'une puissance qui défiait, presque, j'allais dire, quelque chose de démesuré, mais qui n'utilisait pas son pouvoir. À quoi servait cet être d'une puissance stellaire incroyable et pourtant qui n'utilisait jamais ce pouvoir? En fait, son pouvoir était là juste pour maintenir en place une certaine cohérence de toutes les réalités. Mais était-ce utile d'avoir autant de puissance? Et au final, je schématise, quand le Canthérax, le voyageur, arrive, il y a la rencontre. Car lui, le Canthérax, il fait une énergie très particulière. Mais il a la capacité de passer les frontières, de passer d'un royaume à l'autre, de s'adapter, de changer de forme. Mais vraiment, même le plus improbable des vibrations, d'énergie, lui, il s'adapte. C'est sa nature. C'est un caméléon. Moi, un certain temps, je l'appelais le super adaptoïde. Il était capable de s'adapter à tout. Comme certaines entités qui existent déjà. Mais là, à un autre niveau, quoi. Quel que soit la nature, il s'adaptait à tout, quoi. Et c'est pour ça que quelque part, ils étaient inarrêtables, ces êtres-là. Les Canthérax étaient très rares. Et aujourd'hui, difficile de dire s'il en reste ou s'ils sont loin, qu'importe. On ne sait pas. Ils sont rares. Donc, lui a perçu la présence de cette particularité, de cet être céleste extraordinaire qui rayonnait avec des pouvoirs stellaires extraordinaires, une pierre angulaire dotée d'une conscience hors norme et d'une puissance capable d'engendrer ou de nourrir plus d'un royaume. Et il se passe quelque chose d'improbable, je vous passe les détails là aussi, il se passe quelque chose d'improbable et qui aurait pu être catastrophique, mais qui se passe merveilleusement bien, la fusion de ces deux êtres, à un niveau énergétique, à un niveau individuel, cela crée et cela engendre une nouvelle entité qui aurait pu évidemment détruire les 12 royaumes, qui aurait pu détruire la clé de voûte. Mais la clé de voûte existe toujours, et ça a créé l'être bipolaire, un être différent. Et à partir de là, les 12 royaumes sont devenus très différents, avec une forme de dualité,
mais un équilibre constant parfait. Jamais il avait été vu un tel équilibre, une telle harmonie dans les deux forces connues. Mais en fait, nous savons que cette dualité n'est pas réelle. Il n'y a pas deux forces en réalité, il y en a une multitude. Mais on va parler de cette polarisation. L'être bipolaire était parfaitement harmonieux, parfaitement, et du coup, durant des centaines de milliers de milliards de siècles, si on peut compter à ce niveau, si c'est possible, puisque le temps est un concept, selon les endroits, selon les lieux, cet empire, j'aime pas le dire le mot empire, ça fait un petit peu, il y a une connotation un petit peu agressive derrière, mais ce royaume de 12 a évolué au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Une civilisation multiple, sur de multiples temporalités, ayant atteint le paroxysme de l'évolution. Chacun d'eux, le plus faible être qui pourrait exister dans un de ces royaumes, n'importe lequel, vous le prendriez ici, mais même les dieux de l'Olympe, ils seraient jaloux de sa puissance, pouvoir de création, de transformation ultime, une rayonnance, une puissance, la puissance de l'esprit à l'état pur et de la création. Plus besoin de technologie, plus besoin de quoi que ce soit. Alors, c'est super, non? Et pourtant, une aberration s'est produite. Laquelle? Une aberration très particulière. Quelque chose s'est déréglé à un moment donné, j'allais dire dans cette harmonie. 12 entités, des 12 royaumes, 12 monarques, 12 empereurs, 12 rois, je sais pas, des êtres qui étaient qualifiés d'êtres suprêmes de chaque royaume, émis une idée qui vient d'où, hein. Et si c'était possible de faire encore quelque chose d'étrange pour atteindre un niveau supérieur, ascensionner vers un nouveau stade d'évolution tellement extraordinaire qui nous permettrait d'atteindre un niveau insoupçonné. La fusion de 12 entités de 12 royaumes au niveau énergétique, informationnel, existentiel, présentiel, qu'importe. La fusion! Ils auraient dû comprendre simplement par ce fait, ces êtres si évolués, qu'il y avait un problème là. Déjà, juste dans l'idée. Mais ça avait bien fonctionné, l'être bipolaire a fusionné, nous avons des êtres d'une magnitude, d'une rayonnance qui défie l'entendement extraordinaire, et ça a fonctionné, c'est vrai que c'était risqué, mais ça a fonctionné, ça a créé ces 12 royaumes, ce royaume ultime extraordinaire. Mais eux, ils se sont dit, mais c'est possible, de toute façon, nous pouvons nous transmuter grâce au passage. Nous pourrions trouver un point de convergence et fusionner à un autre niveau et nous matérialiser en tant qu'une nouvelle entité, un être suprême défiant tout et d'une puissance extraordinaire. Ah merde, l'ego existe encore là dans le futur, dans l'évolution, là c'est du l'ego pur, quoi. Non, c'est de l'ascension, on veut atteindre un nouveau stade d'évolution. Alors, je vous ai dit, les règles fondamentales de base, seul le Canthérax est capable de transmuter d'un royaume à l'autre, seul lui. Les passages sont des passages, mais seul lui est capable de s'adapter à ce niveau. Seul lui, ses congénères, jusqu'à ce jour, on n'a jamais connu d'autres, mais il y en aurait d'autres, a priori. Et ils l'ont fait. Je schématise, je fais court. Cataclysmique. En un instant, les 12 royaumes ont été désassemblés et détruits. Dans un silence sidéral,
Ah, c'est pas l'explosion thermonucléaire, là. C'est du silence total. Plus rien n'existe. Waouh! Merde! Est-ce possible? Alors, évidemment, moi, je vous lance l'image la plus expéditive, la plus simple. Pendant longtemps, j'ai cru, j'étais très très jeune, j'ai cru que c'était de l'imaginaire. Comment j'aurais pu imaginer des trucs comme ça en étant très très jeune? Mais bref. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait que deux survivants. Donc, la pierre angulaire et le Canthérax qui avaient fusionné en un, qui sont devenus deux par la suite, qui se sont à nouveau scindés. Ça aurait été que les deux survivants, parce que les deux seuls à être capables de survivre à ça. Mais non, en réalité, grâce à, justement, cet être extraordinaire, cet être cosmique, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, l'être bipolaire, plusieurs milliers de ces êtres ont réussi à survivre et ont été projetés dans un futur probable d'un univers avorté qui n'existait pas encore. Je ne sais pas si vous suivez la logique. Alors, vous allez aller là-bas. C'est où, là-bas? C'est le futur d'un royaume que nous allons créer. Alors, vous y alliez. C'est la seule chance que vous avez de survivre, ou sinon, vous ne tiendrez pas. Nous pourrons tenir encore un peu, mais vous, non. Donc, vous allez vous projeter là-bas. Il n'y a rien. Non. Nous allons le créer. On va créer ce futur. On va créer ce royaume. Je sais pas si vous suivez, c'est dingue. Donc, scission à nouveau. Séparation du Canthérax et de la pierre angulaire. La pierre angulaire ensemence ce royaume qui ne fonctionne pas bien, qui n'arrive pas à se développer, qui n'a pas l'énergie nécessaire. Et la pierre angulaire est une source d'énergie et une graine ultime. Et va naître enfin cet univers. Le passage était resté, ce passage vers le futur de ce royaume probable. Difficile de savoir si ça avait réussi ou pas, mais puisque lui, il était à l'extérieur, le Canthérax étant un petit peu affaibli, il se projette néanmoins dans le futur probable, lui aussi, maintenant, et arrive, écoutez bien, il y a environ 67 à 68 millions d'années dans notre royaume aujourd'hui. Il y a. Donc, il se projette vraiment loin dans le futur de l'histoire de cet univers. Or, depuis, il y a eu toute une histoire. Cet univers s'est développé. Il a sa propre conscience, ce royaume. Il y a la pierre angulaire et le royaume a sa propre conscience. Il est la somme de tout. Il est lui-même une entité à part entière. D'autres énergies, d'autres entités sont nées à partir de l'énergie de la pierre angulaire, à partir de la présence de ce royaume. Et du coup, ils attendaient de pied ferme le jour où il réapparaîtrait, le Canthérax. Parce que le but n'était pas de le détruire, parce qu'il fait partie de cette réalité. Et oui. Il a beau avoir été séparé, le lien existe toujours. C'est une histoire très complexe. Il faudrait vraiment beaucoup de temps pour développer tout ça. Très, très complexe. Donc, il réapparaît à l'instant T, à un endroit de l'univers, ce qu'on nommait, il y a des millions d'années, le royaume de l'Emery, et on l'attend. Les êtres les plus puissants de cet univers l'attendent. Pas pour le tuer, mais pour le museler, le limiter, car eux ont le pouvoir. Ce sont les êtres, les anciens, les célestes. Ils veulent détenir le pouvoir. Et le royaume, lui, a peur de perdre son pouvoir de création, parce qu'il a mis sous tutelle, quelque part, la pierre angulaire. C'est pas si joli que ça. Mais c'est une histoire de survie, en fait, très complexe. Pas aussi basique que la survie telle qu'on la conçoit ici, mais oui. Donc finalement, lorsque le voyageur réapparaît dans cette réalité, qu'il perd cette réalité, il est attendu,
et avant même qu'ils s'aperçoivent, ils se retrouvent en conflit, muselés, attachés, ils résistent, ils se laissent pas faire, cela crée d'énormes dégâts, des remous, et de lui-même, il renonce, parce que les dégâts sur des millions de parsecs, je sais pas si vous voyez, des millions de parsecs, les dimensions s'écrasent, se détruisent, toute une zone comme une tumeur qui se créerait dans l'univers, il finit par céder, parce qu'il sent que s'il résiste encore, ça sera la destruction totale, du coup, il est capturé, fragmenté, éparpillé dans tous les espaces-temps, et l'histoire du voyageur, quelque part, disparaît ici. Il va être mis sous contrôle, il y aura des fragments de lui-même un peu partout dans l'univers. Aujourd'hui encore, dans les humains, il y a des fragments du voyageur, et le voyageur se reconstitue en tant que lui-même aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce royaume s'affaiblit. Il s'affaiblit considérablement. Tant qu'il n'y a pas le nouveau moteur, j'allais dire, la nouvelle énergie triangulaire, et puis autre chose qui se formera, ce royaume s'affaiblit, il arrive au bout. Il est au bout d'un système qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ça sera plus sur une base plus collaboratrice, j'allais dire. Un système triangulaire basé sur un équilibre avec l'entité royaume, ce coup-ci une collaboration avec le voyageur, le Quantérax et la pierre angulaire. Ça sera un système tripartite, un système équilibré. C'est juste la première phase de cette énergie triangulaire, j'allais dire. Une collaboration intelligente et rationnelle, sinon personne ne tiendra le coup, quoi. Je schématise. La pierre angulaire, c'est complexe, c'est une partie, mais ce n'est pas le tout. La pierre angulaire, on en parle beaucoup parce que c'est un être incarné. C'est un être qui a été le cœur de la pierre angulaire, c'est notre planète sur laquelle on est. C'est elle. Je fais un petit peu la moue parce que c'est... Oui. Mais non, nous sommes dessus, nous ne sommes pas tout à fait dessus. Mais en tout cas, le monde Gaïa, Cilia, moi je l'appelle, c'est le monde où le cœur, l'essence de la pierre angulaire vit. Mais elle ne vit pas que là. Elle est multiphasique, multidimensionnelle, elle existe à beaucoup d'endroits. Et elle a toujours une partie incarnée. Elle a vécu une partie sur Terre, mais elle n'est pas née sur Terre en tant qu'être physique. Faut suivre, hein. C'est ça la multidimensionnalité. C'est compliqué. Comme certains parlent des flammes jumelles, etc. Certains individus qui partagent le même esprit, c'est le même être, mais ils ont deux individualités. C'est toujours très compliqué, mais c'est le même être. C'est pour ça que c'est très compliqué d'expliquer l'univers, le multivers, la multidimensionnalité, les imbrications et les intrications quantiques, les connexions en fait. Quelles que soient les choses que je change ici, les paramètres se répercuteront là, l'intrication est là, qu'on le veuille ou non, même si on a l'impression que c'est séparé, rien n'est séparé, tout est connecté, toujours. Même si on a l'impression que le corps physique ici, le cœur énergétique est là, et que, j'allais dire, l'essence spirituelle est ailleurs, mais en réalité, tout ne fait qu'un à un autre niveau. C'est juste une illusion, je vais dire une aberration, une illusion concrète. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un nouveau mode de conceptualisation. C'est ce que nous sommes en partie, tous, des êtres multidimensionnels. Je ne suis pas que cette partie de chair et de sang. Je ne suis pas qu'une sorte de corps spongieux, un cerveau qui résonne. Et c'est là qu'il faut apprendre, c'est là qu'il faut comprendre d'où je tire mes informations, quels sont ces souvenirs, d'où vient la mémoire, de l'énergie, de l'information, de l'éther, du morantiel, des interfaces, de la connexion, de l'entre-deux, de cet endroit où il y a un gardien.
que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, un gardien qui garde le passage entre cet endroit où nul ne peut franchir, seul le Quantérax pourrait y passer. Et la question se pose s'il devra y passer ou pas. Ça sera un autre sujet. Je fais court, mais j'essaie d'expliquer ce qu'est la pierre angulaire. C'est très difficile à expliquer en deux mots. Un être qui est à la fois un être biologique qui peut aimer, souffrir, qui vit très longtemps, et que lorsqu'elle doit mourir pour une raison X ou Y, elle ne mourra pas comme nous. Elle ne mourra pas comme nous. Elle devra créer la vie en elle-même. Donc elle, c'est une femme. Elle va engendrer un enfant, mais pas obligée d'avoir, je veux dire, c'est Immaculée Conception. Elle crée son propre enfant, qui est en fait un double de elle-même. Pas un clone, mais une sorte de reproduction à partir d'elle-même. Elle met au monde un enfant, une fille, et au moment de sa naissance, il se passe un laps de temps, elle se projette dans le corps de son enfant. Ainsi, la mère, qui est elle-même, tombe comme un corps inerte, se désagrège, se désassemble comme un corps sans âme, se désassemble, s'estiole, disparaît. Et le corps d'enfant repart. Jusqu'à ce jour, il y a eu 37 générations. 37. Il y aura encore toute une histoire de fusion, etc. Et pourquoi la fusion aujourd'hui avec le Quantérax ne peut plus s'opérer totalement, puisqu'il y a eu altération, il n'y a plus, ce n'est plus possible d'engendrer l'être bipolaire, comme c'était au départ. Mais il peut y avoir une fusion au niveau énergétique. Elle doit céder cette puissance extraordinaire qu'elle a à l'entité royaume. C'est un gros sacrifice. Mais paradoxalement, le voyageur a acquis ou développé une aptitude à transmuter, à transformer l'énergie visqueuse de ces anomalies qui ont été créées au cours des siècles, des milliards d'années même. Donc il est capable d'assimiler beaucoup d'énergie, de la transformer. Parce qu'au bout du bout, quelque part, la matière, ce n'est que de l'énergie, de la lumière, de la cohérence, de conscience. C'est très complexe. Et lui est capable de le faire. Du coup, comme il acquiert en ce moment même beaucoup de puissance et d'énergie, lorsqu'il transmettra, il fusionnera ou il donnera son cœur énergétique, c'est-à-dire qu'il aura un cœur commun avec la pierre angulaire, ils seront à nouveau deux, il y aura une fusion de leur corps énergétique, mais pas une fusion totale comme c'était avant. Il y aura deux entités, mais qui partageront la même source d'énergie. Ce qui existe déjà. Mais ça restera quand même un être connecté, très proche. Ce sera comme un couple incroyable, inconcevable. Ça sera plus que c'était, mais ça sera quelque chose probablement d'intéressant. Et c'est en train, c'est le projet, j'allais dire. C'est en train, des choses se font. Dans ce sens, ça commence déjà. Je ne sais pas si ça vous a fait avancer, parce que je suis parti très longtemps dans l'avant-création pour vous faire comprendre du comment et pourquoi ça s'est passé. Je vous fais simple, parce que l'histoire est beaucoup plus encore complexe qu'il n'y paraît. La pierre angulaire ici va être 3, donc. Donc c'est une pierre angulaire à trois faces, à trois positions. C'est assez intéressant. Et j'en avais déjà parlé à quelqu'un. Et j'ai dit, mais néanmoins, ça reste la clé de voûte. Et donc ça va, c'est ce qui fait la cohérence de toutes les réalités. Si tout arrive à son terme, ici nous sommes un petit peu à l'écart dans une réalité un petit peu qui fonctionne au ralenti. C'est-à-dire que pour nous, un siècle, lorsqu'on sort de cette matrice, il s'est passé quelques secondes,
si je devais demander, comparer, hein, une sorte de temporalité. Il y a beaucoup d'anomalies qui ont été créées, mais les choses vont petit à petit se lisser et les réalités, les choses vont se mettre en place obligatoirement. Il est possible que quand même il y ait quelques destructions ça et là pour remettre en place un équilibre viable cette fois-ci, car le déséquilibre est tel, comme je l'ai déjà dit, il y a des champs dimensionnels totaux qui sont obturés. On ne peut plus y passer tellement que la viscosité, voire la densité, s'y est mise en place. C'est de la matière non structurée, une forme de conscience primitive. C'est très compliqué à expliquer. Et seul le voyageur a la capacité d'y aller pour essayer tant bien que mal de nettoyer. Il en est capable. Mais bon, il le fait un petit peu. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très ragoûtant, quoi. C'est quelque chose de très difficile. Mais néanmoins, un mal nécessaire qui se fait tout doucement. J'espère que j'ai pas été trop complexe et trop bizarre, mais c'est, on m'explique, je fais court, hein, je fais très court. Donc aujourd'hui, la pierre angulaire n'est plus sur Terre, même si son cœur est toujours là. Et son cœur de dragon, est libéré maintenant. Pas complètement restructuré, mais libéré. Et donc, c'est pour ça que quelque part, il y a autant de conflits sur Terre et dans les dimensions, dans les strates, parce que quelque part, on ne veut pas libérer ce monde. Il est trop intéressant, quoi. Trop spécial. Voilà, je vais faire court. Je vais voir si je mets ce soir cette vidéo en ligne. Elle parlera à certains, pas à beaucoup. C'est très spécial. C'est tellement décroché du quotidien, évidemment. Voilà, je vous remercie. Je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi, si tout va bien, comme d'habitude. Et ceci aussi est un petit clin d'œil. C'est aussi l'idée de Dominique qui m'a demandé, pas que ça, mais je dis bon, et pas qu'elle, d'ailleurs, plusieurs personnes qui m'ont demandé d'un petit peu, d'essayer d'expliquer. Alors peut-être que petit à petit, vous allez avoir une vision plus complète de ce que c'est. C'est très difficile de conceptualiser la pierre angulaire, à la fois un individu, une déesse, du divin, de la création, de l'énergie, la vie, la réalité, la somme de toutes les réalités. C'est compliqué. Je vous embrasse tous, je vous dis à samedi. Je le dis jamais assez trop, je vous remercie pour vos soutiens. Début du mois va arriver, donc peut-être je ferai un petit appel de soutien au début du mois. Vous ferez ce que vous pouvez, sans obligation. Je vous embrasse tous, je sais plus, j'avais quelque chose à vous dire, mais je ne me souviens plus de quoi. Ça me reviendra, et donc si ça me revient, je vous le dirai samedi. Je vous embrasse tous, je vous dis donc à samedi 20h30 si tout se passe comme prévu. Et je vais essayer de clarifier cette image, je pense qu'elle est un petit peu floue, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, à bientôt, bye bye, ciao à tous.